J'ai appris cette feinte sur les fractions que l'année dernière. Regarde comment elle est pas mal. Quand tu dois additionner les deux fractions, prends du 1. Attention, faut du 1. Regarde comment tu fais. En fait, c'est que les dénominateurs qui jouent un rôle. Pour trouver le numérateur, tu dois ajouter 2 et 9. Ça fait 11. Et pour trouver le dénominateur, tu dois les multiplier. 2 fois 9, 18. 11 dix-huitièmes. Parce qu'il y avait des 1. Et bien pour celui-là, regarde, ça va faire une fraction. On s'occupe que du 3 et du 5. Pour le numérateur, on les ajoute. On est à 8. Et pour le dénominateur, on les multiplie. On est à 15. 8, 15. C'est pas mal, non? Et celle-ci, c'est l'histoire qu'il a fait. Et j'ai la réponse en commentaire.